Mes bien chers frères, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le Seigneur Jésus fait cette promesse. Il ne dit pas demain, après-demain, dans 3 jours, dans 10 jours, dans 2 mois. Aujourd'hui. Il faut donc avoir la foi pour croire que aujourd'hui, lorsque le Christ est cloué sur une croix, rendu impuissant humainement parlant, puisse affirmer au bon larron qui lui demande « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume » pour affirmer « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qui veut dire, mes bien chers frères, la victoire du Christ, elle est déjà le vendredi saint. Le Seigneur est victorieux le vendredi saint. Pas seulement le dimanche de Pâques, où il est ressuscité, où il apparaîtra à Marie-Madeleine, où il apparaîtra aux disciples d'Emmaüs, puis dans les jours qui suivent, à tous les disciples. Non, le vendredi saint, dès le vendredi saint, le Christ est victorieux. On peut se demander comment. Comment Jésus peut être victorieux? Comment Jésus peut déjà être revêtu de la couronne de gloire le jour du vendredi saint? Mais mes chers amis, la couronne, il la porte déjà. Alors certes, elle n'est pas en or, elle est en épine. Le trône que Jésus a, il est déjà le vendredi saint. C'est la croix. L'armée à son service, ce sont les anges. Le règne du Seigneur est un règne absolument atypique puisqu'il commence à régner le jour où il meurt sur la croix. Et précisément au moment même où le Christ dit, plutôt dans la seconde qui suit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ou encore, tout est accompli. Il meurt aussitôt. Et c'est à ce moment-là qu'il est victorieux. Et quelques instants plus tard, le centurion romain, s'apercevant que Jésus est mort, lui transperce le cœur. Et là, on vérifie l'actualité du royaume de Dieu, puisqu'en sort l'eau et le sang. Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, nous montre son cœur. Jésus miséricordieux nous montre son cœur d'où sort les rayons blancs, l'eau, les rayons rouges, le sang, les 2 sacrements qui donnent naissance et qui nourrissent l'Église. Il est victorieux sur la croix. Là où on ne l'attendait pas, là où on pensait qu'on pouvait se moquer de lui, tout le monde se moquait de lui, les chefs des prêtres, y compris le mauvais larron. On l'injure. Il est prisonnier, ligoté, cloué sur une croix, il ne peut plus rien. Là où on pense que le pouvoir est anéanti de ce Jésus de Nazareth, c'est là que commence son pouvoir contre la mort. Il est donc victorieux. Mais quel est le principe de la victoire du Christ? Comment Jésus règne dans l'univers? Certes, il ne règne pas avec les armes, avec l'autorité qui se fait pressante au point de s'imposer à toute conscience. Il règne par son amour. Le Sacré-Cœur de Jésus montre son amour. Jésus miséricordieux, en ce jour où se termine l'année de la miséricorde, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut plus prier Jésus miséricordieux, bien au contraire. Jésus montre son cœur d'où sort son amour infini. Il règne par son amour. Et voilà pourquoi il nous dit « Je vous laisse un commandement nouveau,
aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé sur la croix. Mes chers amis, la croix est glorieuse. La croix, c'est la victoire de l'amour du Dieu fait homme sur le péché et sur sa conséquence qu'en est la mort. Désormais, le Christ déracine la mort. Il introduit ainsi les justes, ceux qu'il a rendus justes par le sang de sa croix dans son royaume éternel. Voilà pourquoi le bon larron monte au ciel avec le Christ. L'âme du Seigneur Jésus, aussitôt après sa mort, rejoint l'éternité du Père. Mes chers amis, le royaume de Dieu est donc un royaume d'amour qui ne s'impose jamais par la violence, par l'épée, par la force. C'est un royaume qui s'impose par l'amour. Et le Seigneur nous montre l'exigence de l'amour. Effectivement, la croix nous rend profondément humbles devant ce grand mystère qu'est l'amour que le Seigneur nous donne à profusion. Le jour de notre baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour revêtir le Christ victorieux sur la mort. Nous recevons donc en germe le don de la vie éternelle. Nous avons donc part au royaume éternel de Dieu dans la foi dès notre baptême. Ce qui veut dire ce jour-là, Jésus nous remet entre nos mains les clés de notre cœur. Il nous confie chacun une clé avec laquelle nous sommes chargés d'ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. Ne l'oublions jamais. Le Seigneur ne peut rien faire devant un cœur qui est fermé, barré à clé, qui empêche l'avènement de son royaume, l'avènement de son amour dans nos cœurs. Il vient donc régner dans les cœurs, et non pas comme les puissants de ce monde, s'imposant sur des sujets, sur des citoyens, mais dans les cœurs. Et Jésus nous montre comment il règne, comment il aime. Il nous montre que c'est l'abaissement, l'humilité de l'homme qui doit s'abaisser devant la grandeur de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire ouvrir son cœur. Et Jésus nous dit, si tu n'ouvres ton cœur qu'à moi, et tu n'ouvres pas ton cœur au prochain, tu n'as donc pas ouvert ton cœur à moi. Parce que tu ne peux pas ouvrir ton cœur à moi, à ma miséricorde, à mon amour, si tu n'ouvres pas ton cœur aussi en même temps au prochain. Car le prochain, dans le prochain, c'est moi qui agis. Ne l'oublions pas, en Matthieu 25, le jugement dernier, ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors on peut comprendre, c'est pourquoi c'est aujourd'hui aussi la journée mondiale du secours catholique, où nous sommes aussi invités à partager avec ceux qui n'ont rien. Mais le Seigneur nous demande plus que cela. Pas seulement partager des biens matériels, des choses que les autres n'ont pas. C'est partager notre cœur, notre amour, pour que nous puissions aimer de l'amour de Dieu. Mes chers amis, il y a un vase communicant entre l'amour de Dieu et celui de nos frères. Si j'ai de la haine contre mon frère, si je lui fais des reproches sans cesse, le Seigneur me dit, je ne peux pas te donner mon pardon, puisque tu fermes ton cœur à mon pardon. Il faut que tu l'ouvres, ce cœur. Réfléchis quelques instants, me dit Jésus. Tu reproches à ton frère une broutille, alors que moi je pourrais te reprocher énormément. Ton péché t'empêche d'aller au ciel. Et toi, ton frère te fait une broutille,
Tu fais comme si c'était le monde qui s'écroulait. Comment pourrais-je irriguer ton cœur de mon amour miséricordieux si tu fermes ton cœur à ton prochain? Voilà pourquoi Jésus nous dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Aimez vos ennemis. Ça veut dire vouloir le bien pour ses ennemis. Vouloir le bien pour ceux qui nous persécutent. Les saints, les martyrs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par pardonner à leurs bourreaux, à ceux qui leur en voulaient terriblement, au point de leur enlever leur vie pour les martyrs. Et là, l'amour de Dieu miséricordieux s'engouffre dans ce cœur et l'élève jusqu'à lui. En plus, l'amour du Seigneur Jésus, quand il peut entrer dans ce cœur qui se libère de ce poids de reproche, de haine contre son frère, il le guérit en profondeur. Car la haine, il n'y a rien de pire pour détruire un cœur, pour le rendre aigri, pour le replier sur lui-même et l'enfermer. On appelle ça l'enfer. Alors que le pardon de Dieu libère le cœur, apaise le cœur. Le Seigneur donne la paix intérieure à ce cœur qui se libère de ce poids pour lui communiquer la joie du royaume de Dieu, la joie de la grâce du ciel, qui est de participer à son éternité bienheureuse. Mes chers amis, le Seigneur nous révèle dans l'Évangile ce que l'homme ne pouvait pas imaginer. Quel est le plus grand bonheur que l'homme peut aspirer dans son cœur? C'est de pouvoir assouvir sa faim, sa soif d'absolu. Et il n'y a que Dieu qui peut assouvir sa faim et sa soif d'absolu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est absolu. Il assouvit ce cœur par son amour miséricordieux. Et le Seigneur nous fait partager ainsi son éternité. La créature n'avait pas imaginé un seul instant de pouvoir partager l'éternité du Créateur qui s'avère être le Sauveur. Mes chers amis, c'est cela que le Seigneur nous donne. C'est cela que nous fêtons en ce jour, dans cette grande fête, cette solennité du Christ, roi de l'univers. Jésus vient régner par sa miséricorde dans nos cœurs. Et je voudrais terminer par l'excellence, par le haut du panier, le gratin du gratin. Alors vous imaginez qui c'est? La Sainte Vierge Marie. Et là je reviens à ce que j'ai dit au début. Lorsque Jésus a été transpercé par le glaive du centurion romain, lorsque son cœur précisément a été transpercé, à ce moment-là, au même instant, dans la même seconde, la Sainte Vierge Marie, son cœur est transpercé par un glaive de douleur. Comme pour dire, son union avec son Fils bien-aimé est telle qu'elle vit cet amour de miséricorde pour tous les hommes. Et ainsi sa mission d'être la mère de tous commence à ce moment-là. Marie reçoit cette mission d'être notre mère à tous, y compris de celui ou de celle que j'ai du mal à encadrer. C'est notre mère à tous. Et elle nous dit, mon enfant, aimez-vous. Accueille l'amour miséricordieux de Jésus, qui lui va panser les plaies, panser les blessures de ton cœur causées par la souffrance, par la petitesse des hommes, pour que tu puisses partager la joie éternelle du bonheur sans fin. Amen.